Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monster Hunter World Iceborne. Commençons. Hop, créer, terminer, oui. Alors, déjà au cours de l'épisode précédent, pas le départ. Dans l'épisode précédent, un nouvel adversaire, j'ai déjà oublié son nom, c'est un truc genre Pierroth, a fait son apparition, et mon dieu, quel adversaire! Ce fut un combat de Helen qui s'est quand même clôturé victoire, et ça fait plaisir, ça a gagné. Et ensuite je suis allé poursuivre Yaku, histoire de d'avoir un peu confiance en moi. Nous avons récupéré aussi notre assistante, hein, parce que sur mon nouvel adversaire était aussi pour lui permettre de revenir par ce monstre. Et la traqueuse, elle, repart. Explorer le monde par mons et par vous. Entre l'épisode précédent et cet épisode, alors j'ai pas fait grand chose parce que au départ je voulais faire un. Oh là, et c'était le cas, pour le remettre. Mais je vais commencer par supprimer tous mes contrats experts parce que ça m'intéresse plus. J'ai fait supprimer, sauf que j'ai pas tiqué que j'avais supprimé tous les contrats que je n'avais pas acceptés. Du coup, j'ai gardé tous les experts et j'ai supprimé tous les masters que j'avais débloqué. Donc j'ai ensuite supprimé tous les experts en les activant, puis en les supprimant. Et ensuite je me suis fait une petite expédition dans, je crois que c'était dans le désert des Termites, où j'ai recombattu un coup Yaku. Il n'y a pas de raison. Ah, il n'y a plus des d'élément. Un seul ticket, très bien. Donc ouais, j'ai fait une petite expédition dans le désert des Termites, rebattu un coup Yaku, chopé des empreintes de différentes choses, hein. Il y avait de la Radian Sakura, il y avait Aros Alpha, empreinte. Et du coup j'ai chopé quelques petits master que je n'ai pas fait. Donc j'ai fait ça, pas grand chose, et ensuite je suis allé à la forge. Bon, j'ai pas encore fait tout et ainsi de suite, mais... Et j'ai déjà forgé quelques armes supplémentaires pour arriver sur les embranchements à la fin, comme j'avais l'habitude de faire. Je sais plus s'il y avait eu vraiment une nouvelle arme, je crois pas, mais c'était juste de la forge d'armes que j'avais déjà, histoire de avoir certains exemplaires. Alors j'ai pas tous les exemplaires qu'il faut pour faire tous les embranchements, mais ça m'a quand même filé un embranchement supplémentaire que je pourrais m'amuser à explorer par la suite. Et enfin, du coup sur les internets, je me suis renseigné sur l'élément là, et c'est bel et bien un talent qui permet d'avoir les éléments entre guillemets cachés par certaines armes, hein, tout ce qui est éléments grisés entre parenthèses. Je me suis pas renseigné sur quel équipement me permettait d'avoir ces talents de base, sans avoir forcément un joyau ou un truc comme ça. Je ne peux pas l'avoir, j'ai pas vérifié. Ça me disait rien en tout cas au niveau du coup. On verra. Sur un truc comme ça. Voilà pour le principe. Maintenant, pour cet épisode là, alors avant de décider quoi faire, j'aimerais regarder ça. Zoologiste. Alors moi j'aimerais le linologue. Faire la quête des bois. J'ai fini la requête urgente. J'imagine que s'il n'est pas présent en tant qu'expert dans la zone, ça va pas marcher. En vrai j'en sais rien, mais on va prendre le risque. Donc on va plutôt se faire pour le moment des quêtes Ketun. Aujourd'hui ça va être un épisode plutôt chill. Je sais pas s'il sera particulièrement long, je pense pas, ce sera plutôt court. Mais je vais faire plutôt des quêtes libres aujourd'hui du coup. On va avoir un petit épisode tranquillou et qui me débloque entre guillemets un petit peu aussi sur le fait d'aller différents monstres si tant est que j'en prends le temps à un moment donné. Je vais juste régler le son aussi, parce que c'est vrai que ça fait quelques épisodes que le son est un peu plus fort, le son du jeu. Hop là, voilà. Alors là, ça devrait être comme d'habitude. Enfin, comme l'ancienne habitude. Parce que The Last of Us est un son plus bas que les autres jeux, et du coup, à partir de là, j'avais baissé certains paramètres. Alors, nous avons une quête de capture ici. Ça vient de... Eliana. Mais limite, faisons-la quand même. J'irai chercher un petit temps de chargement un peu malvenu, mais j'irai chercher mon dû à Eliana tout de même.
Je me creuse la tête pour trouver le moyen d'améliorer tes outils de survie. Va donc me chercher les matériaux dont j'ai besoin et j'essaierai de te bricoler quelque chose. Un Béotodus. Il faut du coup le capturer, hein, comme dit. Pas forcément le plus évident, ma foi. Est-ce que je prends un coupon? Si maintenant j'en reçois qu'un seul, sait-on jamais. Pour être surpris. Alors, je vérifie ici. Mais j'ai bien mon arsenal avec les boissons chaudes, les pièges, tout ça. Et maintenant, je dois avoir des informations sur lui d'ailleurs. Et je crois qu'il aimait pas les explosions. J'ai. Léotolus. Il est là. Il n'aime pas les explosions. Je vais garder mon arme actuelle. Les pattes, la tête. Pas la corne, mais la tête. Après, la corne, elle est brisable. Et la queue sont ses points faibles. Alors, moi, je sais pas quel type de dégâts j'ai. Tranchant, j'imagine. Un marteau que j'ai, c'est une hache. Donc, notamment les pattes. Les pattes, c'est la vie. Et. Lui-même, il fait des dégâts de sang. Enfin, physique et de glace. Joyaux. Joyaux. Alors, la place de l'antidote. Vous avez de la résistance. Défense de la santé. Après, je sais pas s'il fait des secousses, je suis pas sûr. Mais j'ai déjà les questions, je suis pas sûr d'en avoir d'autres. Ah. Ouais, ils sont déjà équipés. Hop, un petit peu d'antigel. Pas de mal. Alors, je sais que j'ai un joyau aussi contre les effets du froid, mais j'ai des boissons chaudes de toute façon, je pense pas que ce soit un souci. J'ai changé aussi mon arbre au niveau des récoltes. J'ai remis du miel parce que j'en avais plus beaucoup, il faudra que je remette des amers insectes aussi. Dans l'épisode précédent, hein, j'ai utilisé beaucoup d'objets, j'ai fait pas mal de craft. Hop. Donc j'ai remis du miel et j'ai fait une récolte du coup, de ce que j'avais stocké le piment. Enfin, les boissons chaudes, donc là j'en ai une centaine hein, dans le stock. Nous mettons les armes. Okay. Bon avant. Un moment qu'elle me regarde dans les yeux, cette quête. C'est toujours en dehors de cette Liana quand je la voyais. Et temps de se dire tant pis, il y aura un petit temps de chargement. On va aller récupérer mon débrief de la quête et puis on fera avec. Ok. Crépuscule là. Fleur du crépuscule, excusez-moi du peu. On va regarder à quoi ça servait. Je trouve que c'est phénoménal. Eutodus, sillon, par où? La roue du sillon par là. C'est trop dans la neige ça. Si mon Béotodus, donc c'est très bien. Ok, là-bas, directement sa protection, c'est super. Oui, j'ai chopé un nouvel ingrédient, je crois aussi. J'ai fait mon expédition. Alors,
enfin, je sais plus quoi. Enfin, vu que c'était désert des termites, c'était sûrement un cactus, hein, mais... Quoi. Ok, niveau plus. Il super. Super. Déplace, attends. De se déplacer, je vais prendre la masse d'écofact en attendant. Petites étoiles. Petites étoiles de Master. Je tiens plus des masses de lui. Ce qui était vivace, mine de rien. Les vapes, mais ça va passer. Très bien. C'est gagné.
ou alors. J'ai pas eu. Résistant en plus ce truc. Voilà. Allez. Ça. C'est donné. Ah, un boost d'attaque et de défense. Ah oui, de la cuisine. Probablement de la cuisine. Alors. Ici. Pas du tout déçu par le croissant de l'explosion. Oh la vache, bonjour. Et là, un Tobikadashi. Là on est en carrefour, il y a du coup. Il y a tout le monde qui passe le pas. C'est beau ça. Même rudement beau. Alors qu'on aurait pu se dire ça y est, ça va être le carnage absolu, chaos. Et non. Nous sommes ordonnés.
randonnée, mais il faut que je prenne une boisson quand même. Et... on va récupérer le cap, malheureusement. Enfin, votre quête, les potes, mais. Et les livologues. Donc, tu es d'accord. Je suis prêt à l'accorder. Les petits. Ça c'est un mage. Stoppez tout. Ils le poursuivent. Arrêtez. Arrêtez, le tuez pas. Les petits qui font des sillons dans la nage qui est aussi grande qu'eux. Trop mignon. Allez, go la capture. Je rappelle que c'est une... obligation de cette quête. L'objectif, le capturer. Alors je peux poser ici. Clic. Voilà qui est fait. De joyeuseté. Ah oui, aussi pendant mon expédition, j'avais fait entre les épisodes. Donc, comme dit, j'ai juste combattu un coup de yaku, quoi, hein, une vieille autruche. Et j'ai reçu 2 gemmes en récompense à la fin. Ah ouais, ah, c'est bien. Plus on en est 3 étoiles déjà. Votre outil de survie a été amélioré à automatique. Cap caméléon plus. Enfin, j'ai quand même allé au camp de Selgana pour voir si. Pour une exclamation, hein, d'ici que. Soit une série de quêtes. Maintenant, je peux mettre des joyaux sur ma cape caméléon, si j'ai. Et ça, ce n'est pas rien.
Ce serait une sacrée surprise que le Velkana se trouve dans le nouveau monde. Mais pas une bonne. Archive écologique. On a pour mission de déceler des changements dans la forêt ancienne. Qu'est-ce que tu dirais d'une expédition pour tirer cette affaire au clair? Et atelier, j'imagine que c'est l'endroit où il y a la forge. Ouais. Bah, allons-y. Là, je le fais parce que je sais que ça vient de là. Après, quand je ferai des quêtes où je sais où ça vient, on fera plutôt ça en fin d'épisode. Voir s'il y a des nouveaux points d'exclamation dans un endroit ou dans un autre. Pour éviter de checker tous les lieux qui existent dans le jeu. Après, je check aussi le navire de la troisième compagnie hein, d'ici. Ça permet de quelques quêtes en plus, hein, sait-on jamais. Parce qu'on n'en parle plus, qu'ils ne sont plus là. Elle est bien, point d'exclamation. C'est une sacrée surprise que le Velkana se trouve dans le nouveau monde. Mais pas une bonne. On a pour mission de... J'ai des idées plein la tête en ce moment. J'ai vu un chasseur avec une cape de gardien et Eureka. Chasseuse complète la quête Little Big Horn et je me mets au travail. Bien après, s'occupe le temps, bien sûr. C'est un banc de barreaux à la terre des anciens. Ah, si c'est pour améliorer la cape de gardien en plus, c'est une que j'utilise. Je vais récupérer un autre point d'exclamation quelque part. Ah si. Ça part là-bas. Vite. Comment vont les choses? Bonjour, le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Je suis revenu à la demande du jeune chef d'équipe. On m'a informé pour le Velkana, c'est regrettable, mais je n'ai aucune information sur ce dragon ancien. Rien d'étonnant à cela, étant donné que seuls de rares témoignages de civils font mention de son nom. Nous ne disposons d'aucun rapport officiel le concernant. Cependant... Plus encore, c'est le chant que tu dis avoir entendu qui m'intrigue. Je compte mener ma propre enquête à ce sujet. Ok, bon. Bah, tiens-nous au courant. Tiens-nous au jus. L'énorme jus de cuisson. Allures. Quête. Libre. Bah limite, je vais faire... Oh, c'est un alpha. Oh, bigre. Génération de la cape du gardien, tout de même. C'est un bon barreau. Ça vient de l'armurerie où je suis actuellement. Je me creuse la tête pour trouver le moyen d'améliorer tes outils de survie, bien sûr. Dis donc, un alpha, si tôt. Faisons, hein. Faisons. Bon, ça doit pas être plein du l'écran aussi. J'utilise mes coupons. C'était ah. Bien. Là, par contre, c'est pas une demande spécifique de capture. Après, bon. Après, je capture, hein. Ok. Compendium. Alors, le banc de barreau, monstre à la charge violente, c'est de bois majestueux, des racines et des arbres, et creuse la terre quand il court. Viser ses pattes pour contrer efficacement sa charge mortelle, utiliser des fragments ou lancer une explosion cristalline en cours d'attaque arrêterait ce monstre. C'est intéressant, on est sur la terre des anciens, donc il y aura des explosions cristallines potentielles. Il n'aime pas explosion, il n'aime pas dragon non plus. La tête et les pattes. Faible. Surtout la tête. Ok, bro. Les joyaux contre la glace, je vais mettre des masses là. Les deux antigels. De vitalité. Moi j'attaque.
Après, ça fait des trucs comme ça. Ah, c'est vrai que j'ai un truc maître d'armes là aussi. Il permettra de monter un petit peu. Et déjà maître d'armes. Et ça fera plus d'affinité. Enfin, faisant ça, j'aurai quand même un petit peu de vitalité en plus. La cantoche. Telle. Ça, non, ça c'est la forge. Ici. Je sais pas s'il fait des éléments. Hein. Allons-y avec ça, vu que c'est un alpha, je vais peut-être prendre quand même des popos stats. Hein. Alors, même assez mal. Hein. Plus beaucoup. Alors, je le refasse à l'occasion. Ah, des deux, hein. Oh là. En même temps, c'est avec le behemoth. Hein. Le behemoth, j'en ai tellement avalé des potions. C'est un moment que j'en prends plus. Hein. Au contenu du début d'Iceborne, je me suis dit, allez, ça passe sans. Enfin, quand même, quand je me refasse des stocks à côté. Bah, déjà, je vais refaire les stocks, comme dit Miel, la mère insecte, tous les trucs un peu basiques pour pouvoir se créer des potions. Pour regagner de la vie facilement et ainsi de suite. Puis, ensuite, on verra sur mon état des stocks, on va peut-être faire. Ah, j'ai oublié qu'il fallait une boisson fraîche pour cette map de bois. Autant pour moi, hein. Bois ça. Ça, je te retrouve juste après. Je vais aller chercher. Champi là. Un petit champi par ici, ça va me faire de la boisson fraîche. Ok. En avant. Il est fatigué, il a trop couru. Le bébête. On va faire tous les minerais même si j'ai très envie, mais avançons un peu. Ainsi va la vie. La vie, elle courir après. Ok, il y a des pièges à la carte. Pas de pierre là. Oh. Des problèmes en vue. Ça. Oh, je l'ai loupé. Dommage. J'y pense. Là, il est pas. Il est pas. D'accord. Là, il est tout contre sa arme. Mais c'est vrai qu'il fait des grosses boules. Qui m'a lancé ça, hein, je le sais. Je connais. Hein. Excellent. J'aurais dû en profiter autrement. La petite technique est endormie. C'est un peu plus.
pas longtemps. Ça se trouve pas. Et enchaîne. Ah, ce genre ça m'a touché. Non, j'ai bien entendu. Il y a déjà la caisse qui pourra m'aider aussi. Voilà. Il joue le boule. Dégage à la carte. Plus la queue. Ça fait piaf quoi. Qui est passé devant. J'ai pu me soigner, c'est cool. Hein.
Et c'est mon bouclier pile quand il fallait pas. Et c'est mon armure. Les piafs là. Oh. Ça peut. Oh les piafs de mort. Oh non, je vais prendre juste parce que... parce qu'ils ont été innommables. Ah là. Allez, je m'enfuis. Ok. Pipoup. Pas de cap pour le moment, donc pas sans. Joli lancé. Mais j'essaie sur rebord, j'ai plus quoi faire. Je défendrai mon Régis. Peut-être. Il suffit qu'il marche. C'est ça qui est vite, parfois il y a juste besoin de marcher. C'est pas grave, ça. Incroyable. Pourtant, il y a Marie, hein. Je me fais avoir tout le temps. Okay.
Tentative désespérée. Et un peu de beryl, allez, pourquoi pas. Bien joué, Bubble. En faire, donc attention. Colère mais fatigué. Faire mon inventaire au passage, ranger son inventaire. Alors il se dirige par là-bas. C'est le point de départ, non? Il y avait les deux pièges de cristaux. Remarque que si je fais la cuisine, ça me rend peut-être ma vie, hein. Ah si, ça m'a rendu ma vie quand même. J'ai augmenté mon max de vie. Coffre, inventaire.
ça et je vais son fresh au montage. On va reprendre une potion d'attaque et une potion de défense. Là. Déjà bien. J'ai pas envie d'utiliser tous mes stocks. Qui m'a suivi jusqu'au bout. Incroyable. Je pourrais être en jeu d'à côté et me suivre. Boîte. On a gagné. Ah, il y a même le petit crâne. Excellent. Je vais pas me la mettre au cas où. Et allons capturer cette bête. Il fait dodo ici, lui. Vraiment, genre le mec qui s'est trouvé un vieux coin quelque part. Pourquoi d'un livre, donne-moi juste un coin. Ouais. Vets. Le minerai. Excellent, hein. De la volupté. Des joyaux. Troisième étoile du Bambaro. Nouvelle quête libre disponible. Ah bon? Cap du gardien plus. J'ai eu un accessoire, chasseur alpha bronze. Incroyable! Beaucoup. Les accessoires, c'est juste de la déco, non? Bon, j'avais un accessoire carnaval, mais je l'ai jamais mis. Iouf! Je crois pas qu'il faisait exploser ces rochers comme ça dans la map de neige. Mais peut-être que ça fait le même effet, c'est juste visuellement que c'est pareil. Voir c'est parce que ça m'a. Ce serait une sacrée surprise que le Velkana se trouve dans le nouveau monde. Marché l'écologique et intendance. On a pour mission de déceler des changements dans la forêt ancienne. Qu'est-ce que tu dirais d'une expédition pour tirer cette affaire au clair? Qu'est-ce que tu dirais d'arrêter de répéter la même phrase à chaque fois qu'on arrive dans le QG? Botanique, là. Ici. Oh, super. Point d'exclamation. Non, elle meurt. Ça filer un nouveau truc directement derrière. Mais par contre, j'ai mon cap amélioré, non? Dans l'hiver et le vent, je te survivrai. Certains outils de survie peuvent être améliorés via l'ajout de joyaux.
Souvent, les effets des joyaux s'activent uniquement lorsque vous utilisez l'outil en question. Ah, c'est quand j'ai la cape sur moi. Ajout d'emplacement pour joyaux, amélioration des amplificateurs, augmente l'efficacité, la portée et la durée de l'effet. Il n'est pas possible d'ajouter des emplacements. Vous pouvez enregistrer un outil de survie amélioré avec des joyaux dans un set d'équipement. Oui, j'ai deux joyaux. Quand je le porte. Intéressant. Pas trop quoi mettre dedans. Mais... Ico. En vrai, il fait des trucs. Allez. Zoup. Comme dit, il n'y avait pas de point d'exclamation. C'est pour le moment. On peut se faire encore une petite quête. Hein. Encore une petite. Allez où là? Ça caille dehors, mais c'est un client ça? Ça caille dehors? Après, ça a l'air d'être une quête reçue ici. Hein. Amélioration de la caisse de récolte. Très bien. Le boss aimerait examiner de jeunes pétacites. Il veut bien en rapporter quelques-uns, il agrandira la caisse de récolte. Donc ceci. Ça a l'air d'être utile en plus. Enfin, allez à la cantoche. Par amour de la nourriture. Cactus royal, c'est ça le truc. Oui. Accessoire que j'ai déjà. Aucune idée. Et hop là.
Il est grand. C'est des gardiens plus. Plus, plus, toujours plus. Oh, 20 jeunes pétassifs. Les fleurs de crépuscule. Sait-on jamais, peut-être qu'un jour je penserai aller voir ce que ça va me faire. En attendant, je les chope. En plus, c'est foire, hein, j'avoue. De même, hein. Oh, millénaire. Ingrédient, ça. Passage. Passe. Oh, j'ai pris le de autodus. Oh, il y a un piège ici. Ça, ça peut faire une avalanche. Pas besoin. Par où ensuite? Je m'en veux de quoi. Ah, c'est des jeunes délinquants là qui m'en veulent là. Faut le dire, hein. Ah ouais. Bon. Il y en a encore. Pardon. Et ils ouvrent. Ils prendront jamais. Ce qu'il me faut. Ah, c'est du feuillage de glace. Ah. Un petit peu.
Ici. Bon. Ça respawn. Actuellement. La carcasse. Yeah. Oh, du miel. Oh, 4. Ah oui. Tout le même. Ah, oh, on est mieux ici, hein. Oh. Adorable. Ça respawn. Alors en avant. Okay. Ah mais vraiment eux là-bas? Dans toute la map pour venir me voir? Malin. Voilà, le gomme qui termine. Vraiment quoi. Bon gros un bison là, bien gras. Il se balade, non. Il arrive sur moi. Quelle vie. Oh, je le prends mal là. Allez, plus que 4. Un insecte par là. Donc je prends. Trop bien, j'en ai eu un cadeau. Oh, grâce à The Bell, Bubble Gum. Trop bien, Bubble. D'être adorable, il est utile. J'ai une plante à prendre pour la botanique. Ainsi va la vie. On a même trouvé un joyau. Enfin, reçu en récompense un joyau plutôt. Hydromel fortifié, la liste des ingrédients. Incroyable. Il y aurait le conservatoire botanique.
ce serait une sacrée surprise que le Velkana se trouve dans le Nouveau Monde. Ah oui, hein. Mais pas une bonne. Pendant que j'y pense, le boss du conservatoire botanique m'a demandé de te passer un message. Pour tirer cette affaire au clair. La quête s'appelle Une question de radiance, hein, je sais, c'est pas très accrocheur. C'est lui qui a trouvé le titre. Il sait que tu as beaucoup à faire, alors en échange de ton aide, il propose d'agrandir à nouveau ta caisse de récolte. Je crois en toi. Voilà le topo, à toi de voir. Les ombres de Gaïa. Pourquoi pas, hein. Oh, adorable. Rien d'autre, rien d'autre. Là. Un arbre, justement, va-t-il bien. Et on va faire un tour du côté de la forge. Hein. Par ici. On a le Schnegel profond. Mais Schnegel profond, je peux aussi le forger tout court. Parce que les deux là partir par ici. Forger le Schnegel. Schnegel. Au plus d'éclat de Autobus. Dans ce cas, est-ce que je peux faire faire d'Abîme Jura non plus. Faire d'amnation. Je fais Schnegel maintenant, ça veut dire qu'il faudra que je refasse un truc Jura, que je le monte. Je refasse ça, je monte ici, je le monte là, pour ensuite le monter là. Ça va pas me demander de faire plus de boulot que de juste choper quelques éclairs en plus pour le Schnegel là. Mais bon. D'un autre côté, hein. Je me propose quand même. Allez. Peut-être prier et ouh, c'est 360 756 de dégâts. Bien, très très bien. Est-ce que je peux forger tout un ensemble direct? Okay.
cool. Thermorésistance. Voilà. Et les effets de chaleur. Ah, c'est cool. Il a beaucoup de bouchons d'oreilles celui-là. Mycologue extrême, hein, ça mange que des champignons. Digérer les champignons bleus et les champignons vénéneux. Quoi? Ils ont des effets positifs, les champignons vénéneux, là, vraiment? Quel moment? Avec seulement deux pièces, ajoute un étourdissement aux attaques et dégainer. Ah oui, c'est vrai. Et pas, mince. Enfin, je pourrais. Je pense plutôt pour les katanas, des trucs comme ça, j'imagine. J'imagine. Là, ça me fait un tas de joyeuseté. De défense même lorsqu'il est amélioré lui. Lilo. La mobilité au neige c'est quand même bien sympa. Je peux le faire avec un joyau au pire.
quand même 64 ici. Hein. Pas non plus les améliorer à chaque fois. Finalement. Finalement. Je fais organisation. Voyons voir ce que ça donne. Au niveau, je vais prendre le moment. Mais rareté 9 aussi. La même rareté, tout ça. Mon dieu. Ah, par contre, j'ai la rareté 10. Paratonnerre, tireur d'élite, puissance absolue, athlète. Charger plus longtemps. Ralentit la consommation d'endurance lorsque vous faites des mouvements comme des esquives. Mince. Athlète et cercle de vie. Quantité de vie restaurée. Au niveau du physique ici. Oh, il me file la garde offensive. Trop bien. 10% du coup. Insomnie un peu. Beldadon, il a plus que le Bandao en défense. C'est un mélange. Et la couleur, c'était où déjà? C'était au coffre, je crois. Ah, peut-être que c'est aussi au coffre le. L'accessoire. Accessoire. Il faut choisir une arme. Et ça se met où? Je comprends pas. Pourquoi ça s'associe à une arme? Ah oui, ça se met sur le côté comme ça. Bling bling. C'est bon, bling bling. Ça peut se mettre que sur des armes. D'accord. 64. Ah ouais. Et après en joyau il est moins bien mais quand même on peut équiper la forteresse chromée, voyez-vous. Quand même 180 points en plus. Au lieu des 120 d'explosion. Mais après explosion ça fait quand même 300 de dégâts quoi. Rien. Rien trop. Là ça me fait récupération rapide, donc je vais garder le interdit. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir teinture. Petite coquetterie hein. Échange. Ah c'est le nœud. Le nœud qui change. Ça aille bien avec le torse là. Torse justement, parce que là j'imagine que c'est que les pointes qui vont changer. Ah non. Attendu. Je vais te faire des rappels hein, pour que ça ait l'air cohérent.
Et les jambes. Et saturer à nouveau. Là. Ouais, désafficher le casque aussi. Mais bon, on a tant envie. Armure spéciale, vente équipement, joyau. Ah, c'est un truc pour. Retirer les joyaux. Et du coup, ça va être mon l'équipement de base. Peut-être hein. Un peu plus de défense physique, des rotations. Je vais pas faire les améliorations à chaque fois, comme dit, parce que c'est quand même pas mal. Cap du gardien, ça vient dernier. Bon, j'ai moins de joyaux, du coup, forcément. J'ai pris plutôt des alphas pour avoir des bonus de base. Ce qui n'est pas. J'ai un problème. Limite, je pense que je vais mettre le anti-séisme à lame. Là, je pourrais m'amuser à le bouger. Pose un silhouette. En deux, c'est déjà bien, l'anti-séisme. J'ai athlète. Athlète, c'était quoi? Réduit les coups d'endurance fixe. C'est choupi. Smoby. Le 2B. Entre guillemets, dommage quoi. Enfin, ce sera pour Bubble. Garde offensif, ça c'est merveilleux. Mise à mort. Très bien. La mort, c'est un 4. Mon armure. Le jeu mettrait sur la cape du gardien, je pense. Ce sera occasionnel, mais c'est sympa. Augmente légèrement la durée des améliorations pour les armes. Je l'ai fait. Ah oui, digestion des champignons. Donc, ouais, mise à mort. On va le mettre ici. Sera très bien. Troisième anticisme. Ok, ensuite. Ça, soit je mets la vitalité. La vitalité vu que j'ai augmenté mes soins. Ensuite j'ai 1, 2 et j'ai 3, 3. Étourdissement. Annule l'effet du froid. Oui, ça l'annule purement et simplement. Ça. Suite en 3. J'en ai que 2, donc il y aura. Et puis même les 2-3 sont. Non mais non. Ok. Ça. Fiole explosive, je sais pas si ça remplace mes fioles de choc. Si c'est. C'est uniquement pour. Pour genre un type de fiole que tu utiliserais pour les tirer quoi. Bonheur.
Je veux jamais m'endormir, quoi qu'il arrive. Ok. Allez, va pour ça. Ça fait quoi comme stat? 700 en défense, puis Nas contre le feu. Ouais, je vais peut-être la défense au truc. Équipe actuelle. Là. Si je sais que je suis contre un truc qui fait du feu. Donc on disait, je suis naze contre le feu, moyen contre l'eau de la foudre et du dragon, je suis bon contre de la glace par contre. J'ai gagné en défense physique. Ça fait un petit peu de rotation là, c'est bien. Le bonnet de mort. Ça va être compliqué là. Mais bon, on va se donner. Cool, je crois que la sacoche et tout ça c'était fait, on s'est fait un petit moment mod là, histoire de changer un peu. Je sais pas combien de temps cette armure nous viendra, hein, mais je pense qu'on est de nouveau dans un axe, dans un arc plutôt, on va faire pas mal de rotations au fur et à mesure. Augmenter surtout la défense physique dans un premier temps et puis on verra ce qu'on peut faire derrière pour le reste. On se retrouve pour la suite dès que possible, d'ici là portez-vous au mieux, des bisous, allez.